Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com. On va évoquer le programme de ce samedi 26 octobre. On va parler notamment de la réunion principale, celle qui se déroule sur les programmes de Saint-Cloud, mais également du programme nantais où j'aurai plusieurs informations a priori intéressantes à vous transmettre puisque j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels issellants des partants. Concernant le quintet de ce samedi 26 octobre, on prend donc la direction des programmes de Saint-Cloud. Ce quintet rassemble des chevaux bien connus à ce niveau. Ma préférée sera le numéro 1 Menuetto. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Pas de problème de distance la concernant. Sachez également qu'elle a déjà remporté son quintet. Elle compte une victoire et deux places en 5 quintets courus. Elle reste notamment sur une bonne deuxième place dans un quintet disputé sur un parcours de tenue sur l'hippodrome de Cran. Le terrain lourd ne la gêne pas. Bref, à mon avis, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Je poserai le numéro 9, Attention Adventure, qui reste sur deux victoires. Une a réclamé l'autre plus récemment dans un handicap. Le terrain lourd également, pas de problème le concernant. C'est une bonne chance au papier. Attention également au numéro 2, Angelo Dream. Souvenez-vous, je vous l'avais indiqué lors de ses deux dernières victoires. Il a gagné à Cran le mois dernier à 9 contre 1. Il a confirmé dans un quintet en s'imposant à plus de 20 contre 1. Loïc est donc à son entraîneur, il partage d'ailleurs l'entraînement avec Sophie Dame, sa compagne, eh bien, était confiant, le cheval a répondu présent, c'est un cheval qui a été gardé pour cette fin de saison. Il apprécie tout particulièrement le terrain lourd. Ici, les conditions de poids ne sont plus les mêmes, il est passé de 29 à 36 de valeur, mais vu son attitude au terrain et vu son degré de forme, il pourrait bien venir ici compléter le podium et ce, une cote intéressante. Je retiendrai ensuite numéro 6, Vasisaki, une victoire et 6 places pour lui en 18 quintés courus. Un cheval confirmé à Saint-Cloud, un cheval confirmé en terrain très souple, on garde. Le 5, c'est Kwayat Zen, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Longchamp dernièrement. C'est un cheval qui est confirmé dans les quintés, 2 victoires et 3 places pour lui en une dizaine de quintés courus. J'ai également retenu numéro 15, Vienna Woods, qui reste sur 4 podiums, qui vient de s'imposer à réclamer, preuve de sa bonne forme. Pour son retour dans les handicaps, elle mérite crédit. Le 14, c'est Chose Away, un cheval qui est un adepte du terrain lourd, et sur ce paramètre, il convient de lui accorder une note de méfiance, tout comme le 7, Boscantin, qui pour son unique sortie sur ce tracé s'est imposé début mai. Le problème, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois d'août. C'est a priori le bémol. Résumé chiffré, As 9, 2, 6, 5, 15, 14 et 7. En cas de non partant, je citerai le numéro 10, Sancho. Suite du programme Saint-Cloud, dans la première, j'aime beaucoup les Britanniques, le 104 Vavaï Diamond, plus j'ai 3 ans, qui s'est classé deuxième d'un groupe 2 à Doncaster, puis troisième d'un groupe 3 à Ascot, a priori dans ce lot. Sa chance est prépondérante. On lui opposera le 105, c'est Monica Cherif qui reste sur 4 victoires. Elle, donc, dans ce prix Belle de Nuit, une épreuve de groupe 3, les Britanniques doivent pouvoir damer le pion à nos tricolores, 104 et 105. Dans la deuxième, on prend les meilleurs commences, à savoir le 1 Poet Quest, le 2 Vogue et le 11. C'est dans cette épreuve Education. Ces trois-là ont été affichés deuxième, troisième et quatrième à Fontainebleau en terrain très souple le mois dernier, au mois de septembre. Ici, une confirmation est attendue. On passe maintenant au Critérium de Saint-Cloud, un groupe 1 qui, comme vous le savez, se dispute sur 2000 mètres. Il est réservé aux 2 ans. J'aime beaucoup dans cette course le 409 Pao Alto, c'est un cheval qui vient de faire sensation en s'imposant à Bordeaux dans une épreuve bien composée, une listole, il reste sur deux succès. Un cheval qui apprécie le terrain lourd et à mon avis dans ce lot, il peut parfaitement inscrire son nom au palmarès de ce classique. Il lui convient de lui opposer le 403 The Summit, séduisant troisième et honorable troisième du prix de Condé fin septembre. À mon avis, les Britanniques peuvent redouter nos poulains tricolores cette année. 409-403. Dans le prix Perth, une épreuve de groupe 3, j'aime beaucoup le 507, c'est Miss O'Connor, 3 courses, 3 victoires, lauréate d'une Listed Race en terrain lourd, c'était à Hyde Park, donc a priori pas de problème de surface la concernant, elle mérite crédit, elle peut préserver son invincibilité. Je lui poserai le 502 Courcan, Courcan qui est toujours présenté à bon escient, un cheval qui apprécie tout particulièrement le terrain lourd, qui se plaît également à Saint-Cloud, il a terminé 3e de cette course en 2016, à mon avis dans ce lot. Un podium peut lui revenir, 507-502. Petit mot également sur la 8e avec le 802 Ballydoyle. Ce 4 ans, à mon avis, trouve une position dans ses cordes. En 29 de valeur, il est compétitif, il reste sur des bonnes places. Sachez qu'il avait couru Listed l'an dernier, ici. Dans ce handicap, il me semble très bien situé et le terrain ne lui posera pas de problème. Bref, dans ces conditions, je pense que c'est un possible lauréat. Le 802 Ballydoyle pour une cote gagnant placée intéressante. On passe maintenant à Nantes, Réunion 3, il y aura également une réunion de Hapo pour les galopeurs PSF. On va parler de Nantes, Réunion 3. Dans la première, attention au 101, c'est Mrs. Ducasbury qui vient de s'imposer sur ce tracé en terrain collant facilement le début octobre. Elle devrait pouvoir confirmer. Le 104, c'est Checking Dickens, troisième ce jour-là, peut compléter le couplet 101-104.
La deuxième, le 207 Nice Rim est un rentrant de qualité. Il peut bien faire d'entrée de jeu. Attention également au 204 Maximum Aurelius qui a déjà bien fait sur ce parcours et qui lui aussi effectue une rentrée ambitieuse, tout comme le 201. C'est dans cette épreuve qu'Iva Fucci, lui aussi, effectue une rentrée. Il n'a pas couru depuis le mois de février, mais à mon avis, vu l'opposition, ses chevaux n'ont pas besoin d'être à 100% pour faire l'arrivée. Donc priorité au rentrant dans la deuxième, 7, 4 et As. On passe maintenant au Grand Prix de Nantes avec la 15e étape du défi du galop. J'aime beaucoup dans cette course le 402 Caravaggio, ce sera mon favori. Je pense qu'il va s'imposer. C'est un cheval qui a terminé deuxième de cette course en dernier. Il a été réservé pour cette course, il monte en puissance. Le cheval apprécie le terrain lourd, on va aller devant. Et à mon avis, à ce petit jeu-là, il faudra être fort pour aller le chercher. En tout cas, Alain Coitil, son entraîneur, est très confiant. Le cheval devra ensuite courir à Casablanca dans la prochaine étape du défi du galop, 402 Caravaggio. Je lui poserai bien sûr le 401 1000 et 1000, à la chance théorique évidente. Maintenant, il a 9 ans. Il n'a plus peut-être sa valeur d'antan, mais c'est un cheval toujours aussi courageux. Un cheval qui apprécie le terrain lourd, qui a déjà bien fait à Nantes. Attention à lui. Le 403 Smart Whip peut se targuer d'avoir gagné cette course en 2017, mais maintenant, eh bien, il a peut-être également perdu de sa superbe. Raison pour laquelle je l'envisagerais plus pour une place. 402, 400, 403, mon choix préférentiel pour ce Grand Prix de Nantes, édition 2019, 15e étape du défi du galop. Concernant la cinquième, Alain Coitil encore et toujours avec le 509 Goldie Star, deux courses de victoire, c'est une pouliche de qualité, une AQPS qu'il estime beaucoup. Il a remporté plusieurs fois cette épreuve par le passé, mais a priori d'après lui, Goldie Star est la trempe au-dessus. Elle devra ensuite courir le prix Jacques de Vienne en région parisienne, épreuve de groupe. Ici dans ce lot, pas de problème de terrain, elle est douée, elle est bonne et à mon avis elle va gagner. On lui posera la protégée de Bertrand Lefebvre. Le protégé de Bertrand Lefebvre, c'est Galant des Boulins, un cheval qui a repris la fraîcheur, qui est régulier et qui devrait bien se défendre. Attention également au 502, Gaillard du Mesnil. Au regard de sa régularité et de ses titres à ce niveau, il peut également intégrer le podium, lui qui a été le dauphin de Goldie Star à l'occasion d'une sortie commune à Cran. Donc le 509 pour la victoire, le 1 et le 2 pour d'éventuelles places. J'ai pu m'entretenir également avec Bruno Audouin. Sachez qu'il présente le 602 All Green, il est confiant. All Green qui avait été un instant pressenti dans le Grand Prix de Nantes. Finalement, on a choisi la facilité dans ce handicap. Le cheval est bien placé handicap. Il apprécie le terrain lourd. L'opposition est dans ses cordes et à mon avis, il devra également jouer la victoire. On lui posera le 603 Natsum, autre jument qui apprécie le terrain lourd. Et à ce petit jeu-là, ça devrait lui permettre de jouer également le podium. 602, 603. Concernant Bertrand Lefebvre, sachez qu'il est confiant avec le 810 Caplima. La jument est bien placée au poids. Elle apprécie le terrain lourd. Elle fait très bien les prodromes de Nantes. Elle va aller de l'avant. Elle va faire du train. L'opposition est a priori dans ses cordes. En tout cas, certains qui ont des meilleures valeurs théoriques n'ont peut-être pas l'aptitude au tracé nantais. Et dans ces conditions, j'en ferai ma favorite, le 810 Caplima. On résume tout ça pour Nantes, où je pense vraiment qu'il y a des informations intéressantes pour les jeux gagnants placés. Le 101, le 104. La deuxième, 4-7-1 pour d'éventuels couplets. Le Grand Prix de Nantes, 402 que j'aime beaucoup, le 1 et le 3 pour les places. 509 pour la victoire, le 2 et le 1 pour des places. Le 602 pour la victoire et le 3 pour un couplet. Et le 810 également en jeu simple, un recommandable, c'est Caplima. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 26 octobre. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain sur canalturf.com.